Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs, Info du Peuple, pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du Peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du Peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du Peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service. Nouvelle session d'actualité, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces magazines. À la une de l'actualité, le nouveau gouvernement à ses jours et ses priorités. Après plus de deux mois d'attente, le président Félix-Antoine Tshisekedi vient de nommer une équipe gouvernementale renouvelée à plus de 80% et 27% de femmes, avec la moyenne d'âge de 47 ans, et toutes les 26 provinces sont représentées. Ben Kadé, Kabantou, nous signons ces commentaires. Après plus de deux mois d'attente, le président Antoine Félix Tshisekedi vient de nommer un nouveau gouvernement ce lundi 12 avril 2021. Cette équipe composée de 56 ministres est son premier gouvernement après la rupture de l'alliance avec le FCC de son prédécesseur Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie. Le président Tshisekedi a renouvelé à plus de 40% le gouvernement par rapport au gouvernement sortant. Ainsi qu'il avait souhaité, Félix Tshisekedi a nommé 27% des femmes et plus de nouvelles figures de jeunes pour incarner sa vision. La moyenne d'âge du gouvernement est de 47 ans et toutes les 26 provinces sont représentées. Le gouvernement ainsi nommé devra se présenter devant l'Assemblée nationale pour l'investiture après que le Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé aura présenté son programme de gouvernement. Selon le Premier ministre, les priorités de son gouvernement sont la sécurité, la santé, l'enseignement, la justice, l'agriculture, pêche et élevage, l'économie, le processus électoral, les infrastructures et l'économie numérique. Quelques figures ayant quitté Joseph Kabila se retrouvent dans ses gouvernements. C'est définitivement la fin de la brouille qui a opposé le camp de Tshisekedi et celui de son prédécesseur. Le gouvernement devrait à nouveau commencer à se réunir. Cela fait 6 mois que le ministre ne se réunissait plus en conseil de ministres. Cette période a été caractérisée par le dérèglement de l'économie nationale. Félix Tshisekedi avait interdit depuis 2 mois les dépenses publiques. La nouvelle équipe gouvernementale que Félix Tshisekedi appelle le guerrier a pour mission de relancer l'économie congolaise, mais aussi à faire face à l'insécurité, notamment dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Une tâche qui est loin d'être facile pour le nouveau ministre. Malgré la hausse de prix des métaux comme le cuivre et le cobalt, les caisses de l'État sont presque vides et les attentes sociales sont énormes. Toujours en politique, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, après avoir dénoncé ses collègues députés d'être infiltrés dans les groupes armés, c'est le tour de la communauté internationale. Ces derniers acquisent d'avoir encouragé l'entrée des ennemis de la RDC. Regardez. Chers collègues, il y a les groupes armés terroristes. Ils sont ici depuis 30 ans. Les peuples congolais, spécialement nos frères et nos sœurs de l'Est, les ont accueillis, leur ont fait des terres. Aujourd'hui, ces groupes armés étrangers sont devenus des ennemis du peuple congolais. Ils nous massacrent comme si nous étions des bêtes. Ils exploitent les richesses de notre pays. Ils utilisent le fonds qu'ils retirent de ces richesses pour acheter des armes et tuer les peuples congolais.
Nous pensons, chers collègues, qu'il est temps que la communauté internationale, qui a encouragé l'entrée des ADEF et des Interahamwe FDLR ici, et de tous les autres groupes étrangers, il est temps que la communauté internationale prenne aussi conscience. Nous en avons les ras-le-bol. Et que ce groupe, qu'il y ait un retrait des groupes armés étrangers sur les territoires congolais, qu'on les amène ailleurs, qu'on les amène dans d'autres pays et qu'ils quittent la République démocratique du Congo. Que la communauté internationale prenne toutes les dispositions pour que ce groupe quitte notre pays et qu'il les amène d'où ils sont venus. Entre Moïse Katumbi et Mozito Adolphe, qui dirigera la coalition Lamuka, c'est depuis ce 10 avril 2021 que cette plateforme de l'opposition a des coordonnateurs à la tête. Ben Kadé Kabantou, suivi. La plateforme d'opposition dispose depuis le 10 avril de deux coordonnateurs, l'ancien premier ministre Adolphe Mozito d'un côté et Moïse Katumbi Tshapwe, qui a rejoint l'union sacrée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de l'autre côté. Une confusion qui fragilise un peu plus cette coalition divisée depuis l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, qui dirigera la Lamuka le 10 avril après 6 mois à la tête de la plateforme d'opposition. Martin Fayulu Madidi a passé le flambeau à son allié, l'ex-premier ministre Adolphe Mozito. Alors, il va prendre ce tournant de Mozito ou de la boucle. S'il vous plaît, il faut comme Sony, tu vas. Dans une entreprise, vous êtes parti déposer, vous avez négocié des postes gouvernement. Vous maltraitez ou on fait. Alors, là, était donc, on n'est mis pas. Monsieur Matungulu, monsieur Niamne est parti, tous volontaires de la Mouka. Les autres sont partis. Je vous sais que j'ai pris l'année dernière, et quand j'ai pris coordination, je demande les membres du président, les membres de la cellule politique, seuls, de m'envoyer ces membres. J'ai convoqué la première réunion, il était avec Gemena. Heureusement, la communication est passée. Convenu qu'on reportait la réunion. Et cette semaine, Mouzine, Zoom, chez lui. J'ai encore compris, je peux vous donner la liste. Et qu'il discutait avec les. Monsieur, lui, a écrit. Consultation et il recommandait d'y aller. Nous avons des invitations et quoi faire? Ils sont partis, ils n'ont fait rapport au président. Donc, est-ce que c'est Lyon? Donc, je crois que le temps et comme activation intellectuelle, besoin de gymnase pour l'instant, l'union et d'aller entre-temps loin. Donc, nous avons et l'amour que nous avons. Convoquer un mot des textes et samedi, nous allons faire la passation et le premier ministre. En théorie, celui-ci doit à son tour effectuer un mandat de 6 mois, mais Moïse Katumbi ne l'attend pas ainsi. L'ancien gouverneur du Katanga, également membre fondateur de la Lamuka, a annoncé le même jour qu'il prenait automatiquement la présidence tournante de la plateforme en vertu du principe des rotations. Une déclaration rapidement saluée par le 4e et dernier membre fondateur de la Lamuka, Jean-Pierre Bemba Gombo. La coalition d'opposition mise en place avant l'élection présidentielle de décembre 2018 compte donc désormais des coordonnateurs. Une confusion qui illustre les dissensions auxquelles la Lamuka est en proie depuis l'élection de Félix Tshisekedi. D'un côté, la frange dite radicale, incarnée par Martin Fayulu,
qui revendique toujours sa victoire à l'élection de 2018 et rejette la légitimité des institutions, est soutenu par Adolphe Mozito. Quoi dur du reste, l'avenir nous en dira plus. J'ai accueilli avec beaucoup de joie la sortie de ce gouvernement et qui sort le peuple congolais du suspense. Tel a été le propos tenu ce mardi par l'honorable Patrick Ketengo qui félicite cette équipe de 56 Warriors. Jonathan Loututa. J'ai accueilli avec beaucoup de joie la sortie de ce gouvernement qui sort le peuple congolais du suspense dans lequel il était plongé. Et ça prouve à suffisance que c'est un travail méticulé qui a été réalisé. C'est l'occasion pour moi de féliciter Son Excellence Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, 27% de la représentativité de femmes dans ce gouvernement, ben, écoutez, ça n'a jamais existé. Et donc ça prouve à suffisance qu'il y met beaucoup d'attention en mettant un gouvernement fortement représenté par les femmes et aussi par les jeunes. Nous les remercions au nom de la jeunesse congolaise par ma foi et donc les jeunes de toute tendance regroupés au sein du Forum national de la jeunesse, en voyant des jeunes avec lesquels nous sommes battus depuis beaucoup de temps. Et donc c'est un gouvernement qui nécessite absolument à ce que tous les jeunes puissent l'accompagner. Étant donné qu'il y a un jeune comme nous à la tête de ce gouvernement. Et donc, c'est un gouvernement qui doit bénéficier de beaucoup d'attention, de beaucoup de soutien, parce que Son Excellence Samalou Kondé qui est là, c'est un jeune comme nous. Et donc, il doit se sentir soutenu par nous les jeunes. Vous savez que nous avons des défis actuellement dans notre pays. Il y a pratiquement le social, le bien-être social. Il y a la sécurité et il y a aussi l'état de droit. On ne peut pas, comme on l'a dit, c'est le droit pratiquement qui élève une nation, c'est la justice qui élève une nation. Et donc c'est une occasion pour nous, avec tout ce que nous rencontrons comme défi majeur, notamment l'emploi, la formation, l'éducation, la santé, les questions d'environnement, c'est le moment où nous devons nous mettre assez rapidement au travail et d'une manière sincère et honnête soutenir la vision du président. Cette vision qui veut que nous ayons un pays qui soit respecté au niveau de la région, au niveau de l'Afrique et au niveau du monde. Pas question de petites contestations. Mettons-nous rapidement au travail. Seul le travail pourra sortir ce pays dans le bourbier dans lequel il se trouve actuellement. Et donc, chers jeunes, c'est le moment de se mettre assez rapidement au travail. Aux jeunes entrepreneurs qui ont des projets sur leur table, c'est le moment. Avec des ministres que nous connaissons, que nous devons assez rapidement approcher pour que nous puissions voir notre pays s'élever. Notre pays doit demeurer debout pour qu'il soit très compétitif et qu'il soit beaucoup respecté. Réaction du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila, à ce jour, par rapport à la destitution de son vice-gouverneur, Néron Mbungu, à l'Assemblée provinciale. Suivi. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de puis à Zimbano et à Banegozera. Ma tout moli a eu mon goût, a mis tout moli, y est mon goût. Ce n'est pas tout moli était, peine à voir tout mon aide. Voilà. Mais, et ça m'a mis dit que mon nom, le lingue, et à Banegom Soussou, yo, vous voyez, vous allez à Escamogo, vous allez à Tchakimia, y est au Tchamoto. Yo, au lingue, vous allez à l'ingra, non, yo, l'ongue place, yo, Zali, y est à comme place. Comme escadaïo. Nous n'avons pas de grand nom. Et on a Yemoua Banigo Mitumula,
pe asugi na lolenge ya mabe mabe isika ya rokende a mekanan ko changer bizale liwana pe na banzi ke ba bandeko ba yebi lolenge ya na yendinga tambulaka ba kusungaye ba kupesa mo ba conseil pona atika bizale ya lolenge yote bo tantu banai mosala azagi a banene ko tala biro na ngai en temps et à contre-temps. C'est-à-dire que nous avons une réunion, d'ailleurs, si nous avons une réunion, nous avons une réunion. Mais bilobé là na mingi. Maloba mabé, kaka maloba mabé, ba complot. Tant qu'on y a un réunion, le président de l'Assemblée peut adopter ses conseils, mais il n'y a pas de réunion. Il conseil sur le côté de l'Assemblée. Et là, il y a un moteur dans la mi-sauté. Si vous avez un projecteur, il y a un projecteur. Na mona ibizale na yo na comportement na ibanakala to pese ba conseil to lubi na tongo to lubi na midi to lubi na pokwa alingi kokate président assemblée a pese ba conseil alingi pe kokate ba député mususu pe ba pese ba conseil alingi koyoka te na est-ce que beaucoup qu'on dit ma un vice gouverneur na pese un exemple hein? Un vice gouverneur ya Kinshasa Tozana président Kabund. Faut nous rappeler cet exemple. Président Kabund, azali vice-président de l'Assemblée. Tant qu'on va violer ba infirmière dans l'hôpital ya Kisenso. Président Kabund azali élu à Mwamba. Accueilli na hôpital ya Kisenso. Pour consoler, pour soutenir ba infirmière wana. Tango alinga alongwa azonga akamati ya tchelo boko na poche a tiki bango 2 millions de francs azunzela akenaye ye vice gouverneur lokola za élu ya Kisenso ake kuna l'hôpital wa ake ko silika oh pour la nini bandimi Kabund président Kabund aya na hôpital wana ezali territoire naye ils ali fief naé électoral ils a bastion naé électoral asili qui mabé a inganzi asili qui a gangé le directeur hôpital akamati a botoli 2 millions de francs vous avez ma boka directeur a kenayamo aye pen hôtel de ville a bien ministre de la santé balongo la directeur wana na musala kapona. Donc, exemple, car mon con a pissé. Balongola tata na musala parce que ayamba ki Kabund. Mais y'a l'obi azagi na pouvoir te. Mais ndenga ni na sali ki pona longola directeur hôpital loin. Directeur hôpital loin na ya Kisenso. Asagi ndenga ni pona longola na musala. Buzo mona lolongi ya mutu ndenga na izap. Izap pas simingi parce que pona rosala na ye faut za moté ma monnaie no kwangai. Sinon vous supportez ta. Na moni makambo belé na pam pouka na lobagate. Mais oya suka oyo. Yemoko a mitumoli na vie nanga mumba na tambola mikili Afrique ya Europe ya America pe ya Asia na mona muta mitumola te mbale busona mona mitwa mitumola yemoko avant pe a mitumoli pe azumba nona yango donc biso to ibagi programme on a pena ba député te ezagi entre yé na ba député ba bengsa ngaité to zagi na programme ya tambola banzela o uto kolobana ya kikwit visiter chantier du Kikwit pour na bara Kinshasa ba za la servir bara bana na lobi za desservir ba les ba commune Belé za desservir Limété za desservir Lemba za desservir Ngaba za desservir Kalamu za desservir Makalati na Selimbao donc za plus important makambo ki na assemblée to yo ki encore ciment alors que programme on za programme moko za ki biso bana kala ya ko kené na Kikwit ko ke Ngaba ko signer jumelage ya commune ya Ngaba na ville ya Évreux na France bango ba ko sali sa biso na misalo etala estalis assainissement na salubrité ya commune ya Ngaba commune Ngaba ya commune muke mais mikolo ya vous ala commune moko pilote pour na misala ya assainissement. Soyez le bienvenu mesdames et messieurs info du peuple pour la couverture médiatique annonces et publicités de vos entreprises, de vos produits,
et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service.